Qu'est-ce que le mot route? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en 1 minute dans l'épisode numéro 4 de 1M1M. Le mot route n'a pas vraiment de définition précise, on pourrait l'associer au mot débridage. Nous allons prendre l'exemple d'un smartphone Android. On peut associer au mot route le verbe router. Par exemple, router un smartphone Android permet à l'utilisateur de contourner les contraintes que le développeur a mises en place. Donc, après le route d'un smartphone, l'utilisateur va donc pouvoir accéder à des fonctionnalités qui ne lui étaient pas permises avant. Il va par exemple pouvoir télécharger des applications directement sur le Play Store qui vont lui permettre de pouvoir tricher dans les jeux, faire apparaître des choses, etc. à l'écran. Mais qui n'y aurait pas été permis sans le root. Car en effet, le système à l'intérieur d'un smartphone est très complexe, c'est pour ça que les développeurs mettent des limites, des sécurités. Car oui, en effet, le root a des avantages, mais surtout beaucoup d'inconvénients. Une fois que toutes les fonctionnalités du téléphone vous seront mises à disposition, et ben vous pourrez tout faire. Et donc ça, forcément, ça engendre beaucoup de risques. Vous aurez plus de risques d'avoir des virus, vous pourrez vous faire pirater plus facilement. Bref, c'est comme si on enlevait un bouclier à un chevalier. Je suis pas satisfait de cette comparaison, mais bon. Mais retenez juste une chose du root, c'est que le root va vous permettre de contourner les limites que les développeurs vous ont mises, et donc vous fera passer de simple utilisateur à administrateur. La vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était très compliqué d'en parler en si peu de temps, mais j'espère que vous en saurez un peu plus et que vous y voyez un peu plus clair sur ce mot. Bien sûr, je n'incite personne à router son téléphone, c'est vraiment quelque chose de dangereux. N'oubliez pas de mettre aussi un petit commentaire pour m'indiquer quel mot vous voudriez qu'on explique dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, ça dépend à quel moment vous me regardez. C'était Scandover, terminé.